tous, ici Rafik550, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le jeu Destiny, donc comme chaque fin de semaine, l'emplacement de Xur. Donc voyons ce qu'il va vendre ce week-end. Donc du week-end, du vendredi 20 février au dimanche 22 février. Donc on va voir ce qu'il vend. Donc on le découvrira ensemble. Donc tout d'abord, il vend un torse classe titan, écusson alpha lupi, défense maximum 488, lumière 36, intelligence 133. Vous réanimez vos alliés plus rapidement et faites apparaître plus d'orbes. Augmentez la capacité des munitions des armes spéciales, augmente la capacité en munitions des fusils automatiques. Ensuite, un astabank radieux, donc classe chasseur, c'est une armure de jambes. Défense 325, lumière 36. Force 128, augmente la capacité des munitions armes lourdes. Vous vous déplacez plus rapidement lorsque vous visez avec votre arme. Ensuite, plastron de camine abyssale. Donc, celui-là, je l'avais déjà moi. Donc, je l'ai déjà dans mon coffre. Donc, je vais l'améliorer, je pense. Parce que moi, il s'est arrêté à 33 de lumière. Donc, je vais l'améliorer. Donc, je vais pas l'acheter, ça sert à rien. Donc, lumière 36, force 155. Une version améliorée de la décharge d'action. Vous réparaissez avec de l'énergie de grenade. Augmente la capacité en munitions des revolvers. Augmente la capacité des munitions des armes spéciales. Et ensuite, comme arme, bon, c'est pas terrible. Finitaire, donc c'est un fusil précision. Donc, moi je vais pas le prendre, ça sert à rien. J'ai déjà le brise-glace. Augmente les dégâts de précision. Les frags réalisés avec cette arme augmentent temporairement les dégâts infligés. Prochaine fois, ce fusil de précision exotique peut être équipé placement des armes principales. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est pas mal. Donc avec l'exotique comme d'habitude, et là engramme exotique. Donc c'est bien. La semaine dernière il n'y avait pas d'engramme exotique. Donc là on a ça, un torse, mais je pense que je le prendrai pas parce que je vais garder mes particules de lumière. Je pense que ça sert à rien. Donc après c'est comme d'habitude, hein. Comme vous voyez là vous voyez, je suis je vais vous montrer avec mon plastron. Je vais aller chercher pour vous montrer ce que ça donne. Et en plus on a le Monte Carlo, on peut l'améliorer. Donc déjà on a déjà du mal à le looter. Donc ombre et lumière je l'ai pas. Donc déjà moi mes armes ils sont déjà équipées à fond, donc ça sert à rien. Ça c'est si vraiment vous avez looté avant la mise à jour pour les améliorer. Donc ensuite ils vendent télémétrie de fusil automatique, télémétrie de fusil à fusion, télémétrie de fusil à pompe et cartouche chlorde. Alors ça c'est bien ça, franchement ça fait des plusieurs fois que tout le monde demande. Donc moi je peux en prendre, ça sert à rien, je peux en acheter avec mes lumens, donc ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher mon plastron pour vous montrer. Donc là il est à 488, 36 de lumière. Donc on va aller voir ce qu'il est, comment il est dans mon coffre. Mais je pense qu'il est pas comme ça. Donc je vais regarder, je pense que c'est ça. À moins que j'ai démon... Non, il est là. Vous voyez, il est à 32 lumières. Donc, moi, je l'ai eu avant la mise à jour. Ça, c'est pareil. Je l'ai eu après la mise à jour. Donc, je l'utilise pas pour l'instant. C'est pas mon chasseur. Et là, j'ai déjà des trucs pour le titan. Plus tard, si je ferai un titan, peut-être que j'aurai déjà j'aurai déjà du stuff comme ça. Ça peut être pas mal. Je les ai récupérés dans les engrammes. Quand, au fait, quand vous faites des passements de niveau avec l'anarchie ou le Griptark ou Mona. La nouvelle monarchie ou l'astromeur. Donc voilà. Ça m'a donné ces objets là qui étaient dans le coffre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis une prochaine. Je suis désolé si je vous fais pas beaucoup de vidéos en ce moment sur Destiny. Mais en fait j'ai repris le travail depuis depuis cette semaine. J'étais en formation. Donc là je reprends l'écart à partir de lundi prochain. Donc j'essaierai de vous faire quand même des vidéos. Je vais pas abandonner YouTube, hein. Je vais continuer. Mais juste qu'il y aura peut-être moins de vidéos. Comme ça, ça me laissera le temps de vous en faire des mieux, quoi, je veux dire. Je ferai peut-être plus de vidéos le week-end. Bah là, déjà, la semaine prochaine, je suis de l'après-midi, donc je pourrais vous faire des vidéos le soir. Donc ça peut être pas mal, déjà, sur Destiny, de faire des vidéos le soir. Comme souvent, moi, je jouais le soir, souvent, et là, je ferai des vidéos le soir. Si je suis du matin, bah, je pourrais vous faire des vidéos dans l'après-midi. Et là, je vais vous faire pas mal de vidéos, c'est ce week-end, je vais essayer. Surtout du GTA, parce que pas mal de vidéos de couleurs à vous faire, donc je vais essayer de voir ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Salut, bye bye, portez-vous bien.